Herkese sevgiler. İRC'nin 10. yıl dönümünü kutluyorum. Gülseren ve Luize de başarıların devamını diliyorum. Sizi çok seviyorum. Herkese merhaba. Ben Özer Önkal. Luize ile yaklaşık 12 yıldır tanışırız. O zamanlar Otomaz'la beraber kendisiyle rugby oynardık. Bir süre rugby oynadık beraber. Daha sonra herhalde kendisi yaşlandığını hissederekten rugby'yi bırakmaya karar verdi. Açıkçası çok üzülmüştüm. Fakat daha sonra anlaşıldı ki esas amacı farklıymış. Bir rugby okulu kurmakmış. Ve neticede bu hayalini gerçekleştirdi. İyi ki de gerçekleştirdi. Luis sayesinde biz Ottomans olarak şu anda ikinci jenerasyon kulüp üyelerimizi ve sporcularımızı kazanmış vaziyetteyiz. Luis'in yetiştirdiği gençler İRC'den mezun olduktan sonra bir kısmı Ottomans'a gelip Ottomans'da rugby hayatlarına devam etti ve etmeye devam ediyorlar. Biz de kendilerine aslında taşıdığımız Ottomans bayrağını devrettik. Artık ikinci jenerasyon Ottomans, Luis'in ve İRC'nin büyük katkılarıyla bayrağı devraldı ve taşımaya devam edecek. 10. yılında İRC'ye daha fazla başarı, daha fazla sevgi, saygı ve rugby kültürü aşıladığı için ben Ottomans adına çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese başarılar diliyorum. Sevgiler, sağ olun. Bonjour, je m'appelle Jean de Mirkan. Avec mon frère Victor et Luis, le coach, nous avons créé il y a déjà 10 ans de cela le club IRC. Première en Turquie, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'équipe de rugby pour les jeunes à cette époque. Alors, la création du club IRC a entraîné la création d'autres clubs ou écoles de rugby, tels que Saint-Joseph Izmir, Saint-Joseph Istanbul, Saint-Benoît, Galatasaray, etc. etc. Et ce fut vraiment plusieurs années d'aventure. Il y a eu la création d'amitié. Il y a eu des expériences inoubliables, telles que lorsque nous avons effectué un voyage en bus à Izmir ou alors à Ankara. Donc, je compte sur vous pour aussi vous créer des amitiés, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour connaître de nouvelles cultures. Parce que ce n'est pas juste une question de s'amuser, de faire du sport ou de faire de la compétition, des tournois. Non. Il s'agit aussi de gagner en discipline, de gagner en maturité. Et surtout, je sais qu'il y a un guerrier qui sommeille en chacun d'entre vous. Et il ne tient qu'à vous de le réveiller. Alors, je compte vraiment sur vous pour gagner en force, aussi bien physique que mentale. D'accord ? Alors sinon, je tenais à dire que Luis est vraiment un coach incroyable. Je sais qu'il est à vos côtés pour vous aider. Mais surtout,
Ne pensez pas qu'il pourra toujours être là pour vous aider. Donc c'est vraiment à vous de vous entraîner après les matchs de rugby, à la maison, à l'école, entre amis, comme vous voulez, pour gagner en discipline, en maturité, etc., pour devenir des hommes. Parce que le rugby, ça fait de vous des hommes. Et j'espère que vous jouez au rugby en prenant du plaisir et que vous donnez aussi du plaisir aux autres. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de se donner du plaisir. Il s'agit aussi de donner du plaisir aux autres. Alors j'espère que je vous ai fait passer un petit message, que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Salut Louis, salut Gulseren, salut tout le monde. Joyeux anniversaire, IRC. Joyeux anniversaire, IRC. Joyeux 10 ans, donc Victor Demirkan, je fais partie d'un des premiers à avoir été recruté donc à Istanbul Rugby Club. Donc après ça, j'ai continué à pratiquer du rugby, donc notamment en université. Donc je suis toujours un petit peu les matchs, mais malheureusement là depuis que je travaille, je joue plus autant. En tout cas, j'ai toujours cherché à garder l'esprit IRC, l'esprit Sakuba Kuba, bien sûr. Continuez à bien vous amuser au rugby, à bien écouter Louis et Gulseren parce que vous insuffle l'esprit d'équipe et c'est ça qui compte. Salut tout le monde. My name is Hakan Ünsal. I'm one of the founders of the Istanbul Ottomans Rugby Football Club that was established in 1999. I'm 44 years old and a veteran of the sport. It means that rugby will be not just a game for you, but a lifestyle. It means that you're 44 years old with 5 knee surgeries and you're still on the field. It means that you can go to any country in the world where they're playing rugby and say, hey, listen, I have played rugby in Istanbul. I was with IRC. I was with IRC. I was with the Istanbul Ottomans, and the doors will open for you. You will be welcomed in that country and you'll be welcomed in that team, and there will be a place for you and you'll start playing. There is no other sport in the world that gives you this opportunity of solidarity among its players, among its veterans, among its supporters and the lovers of the game. So, ladies and gentlemen, the ones who are playing rugby are members of a very special family of world rugby family. And IRC, for the last 10 years, have been contributing towards making that family larger by training young people to come and play later on, hopefully with the Ottomans and other teams in Turkey that we have helped to establish. And last of all, I want to thank Louis and Gusan for all the hard work and effort that has gone into establishing the IRC, and I wish you many, many, many more 10 years to come. Thank you. Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Séan, responsable du groupe Sud de Cola Rochelle en Turquie. Cela fait maintenant 4 ans que mon bureau est situé à Istanbul. J'accompagne les étudiants qui veulent venir étudier en France, notamment à La Rochelle dans le domaine du management. Et depuis cette année, nous sommes partenaires de l'IRC. Ce partenariat est venu tout naturellement, puisque l'IRC est une école de rugby et La Rochelle est une école de management. Et toutes les deux, nous partageons les mêmes valeurs que sont l'esprit d'équipe, le respect, la solidarité, le courage individuel ainsi que la prise d'initiative. Et c'est tout bonnement sur ce chemin que nous sommes ravis d'être partenaires de l'IRC. Nous leur souhaitons un très bon 10e anniversaire et longue vie à eux. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.
Bernard Laporte a l'habitude de dire qu'il couche d'abord le nom de Serge Betsen pour composer son équipe et rajoute les 14 autres ensuite. Si un joueur devait personnifier les valeurs du rugby, le don de soi, la générosité, Betsen serait celui-là. Le troisième ligne de Biarritz ne donne pas sa part aux chiens et ne se ménage guère. Il n'y a qu'à compter les cicatrices qui ornent son corps et son visage. Betsen est un guerrier redoutable et redouté. Sa présence rassure aussi bien ses coéquipiers qu'elle inquiète ses adversaires. Le natif du Cameroun inspire le respect au point d'être devenu indispensable. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de participer à cette cérémonie d'anniversaire, 10 ans déjà, pour l'Istanbul Rugby Club. C'est une fierté de pouvoir voir le rugby se développer dans ce pays. Et je suis très fier que vous ayez pensé à moi pour cet anniversaire. Bravo à tous pour ce travail de longue haleine. C'est jamais facile de développer un sport comme le rugby. Mais en tout cas, je suis très fier de ce que vous avez réalisé et je vous encourage de fortement continuer car c'est un sport avec beaucoup de valeur, comme vous le savez. Donc, bonne soirée.